J'ai travaillé dans des petits salons, mais pas dans les grandes chaînes, ça non. Parce que tout le monde me reproche mon côté social. Et dans les grands salons, c'est vrai que c'est un autre système. C'est pour ça que je me sens bien ici. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Moumna El Baramouni is kapster bij Salon des Femmes. Voor slechts 5 euro geeft ze vrouwen die het niet al te breed hebben een volledige makeover. En meteen ook een duwtje in de rug. Alors, ici chez madame, tu as une idée? Moi, la fois passée, il y a très très longtemps, hein, je te parle il y a plus de 3 ans, et j'ai payé 150 euros. En fait, la coiffure va être que pour les gens qui ont vraiment les moyens. C'est fini, les gens qui ont un petit salaire ou qui ont moins que ça, c'est pas possible. Ça devient un luxe. Voilà, il faut dire les choses comme ça. C'est un produit de luxe. Avec mon métier, j'aide beaucoup. J'apporte beaucoup de soutien moral. Je suis à l'écoute aussi. C'est super important ici dans le salon. Hein. On est beaucoup à l'écoute. Parce que souvent, j'ai des cas aussi où des dames sont isolées. Donc c'est leur petit moment où elles viennent, elles vont sortir, se faire du bien moralement et physiquement. Et je crois que c'est déjà beaucoup de nos jours. Dans la société actuelle, c'est beaucoup le physique. Hein. On met d'abord l'importance du physique et puis on apprend à voir les qualités de la personne ou à apprendre à connaître la personne. Et les femmes, elles sont plus sanctionnées que les hommes. Je me sens parfois marocaine et parfois belge. Et parfois ni marocaine ni belge. Moralement, parfois, il faut être assez fort. Avec tout ce qu'on entend maintenant, c'est vrai que la religion musulmane est fort salie. C'est dommage que les gens ne sont pas un peu plus intelligents et faire des recherches eux-mêmes et comprendre ce que c'est vraiment l'islam. Comme je suis musulmane, je ne porte pas le voile. Mais ce n'est pas pour ça que je ne pratique pas ma religion et ce n'est pas pour ça que je ne respecte pas ma religion et la religion des autres. On peut être pratiquant et je crois que les vraies valeurs, c'est celles du cœur. Ce n'est pas celles qu'on va apporter extérieures. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font un métier qu'ils aiment. Moi, ça m'a changé énormément parce que c'était un projet que j'avais voulu faire il y a quelques années. Et tout le monde m'a dit que ce n'est pas possible, ça n'existe pas un salon social. Et puis finalement, ça, voilà, ça s'est ouvert. C'est un petit rêve qui s'est réalisé. Je n'ai pas gagné au loto, mais c'est plus que gagner au loto pour moi. T'es vraiment petite, hein? Oui, tu vas te calmer, toi. Alors comme ça.